Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, des petites informations à vous partager concernant la version japonaise de Dokkan Battle exclusivement pour cette vidéo. Et on commence de suite avec la campagne de Cell LR première forme qui arrive prochainement le 26 sur la version Jap, hein, on l'a même pas encore eu sur la globale. Alors soit on me demande ça arrive quand, bah ce sera avec Piccolo, puisque voilà, c'est un rapport avec le personnage. Donc probablement le prochain Dokkan Fest hein, sur la globale Piccolo, c'est très très probable. Donc voilà, faut patienter. Donc voilà, campagne, hein. Je rappelle que si vous avez le LR avant que la campagne débute, vous aurez 10 DS en plus, 3 vieux Kai, et je sais plus quoi à côté, mais voilà, tu auras 10 DS, 3 vieux Kai. Et puis le reste des récompenses, c'est 20 DS, 7 vieux Kai pour compléter, et les orbes que tu as investis dans le personnage. Donc c'est quand même très sympa, même si hein, on le dit à chaque fois, mais avant les campagnes étaient plus généreuses que ça, hein. C'était plus ça va, plus ils réduisent. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils scindent les vieux Kai entre ceux qui l'ont fait avant et ceux qui l'ont fait après, 7, 3. Alors qu'avant c'était 10 en fait pour tout le monde. Mais bon, c'est pas très grave, mais on le souligne quand même. Donc le sel hein, qui est très très bon, hein, il est vraiment top. Hein. J'ai hâte qu'il arrive sur la globale, il est vraiment excellent. Ouais, petit debuff, régène sur la première, booster point fixe, mais bon, à 100% ça fait le taf. Donc voilà, très très bon link set quand même hein, pour un LR gratuit qui souvent voilà, ont des link sets un peu compliqués. Excellent stat défensif, bon l'attaque c'est pas dingue. Mais voilà, très très bon LR, donc a priori ce sera la catégorie Saga de Cell. Pas pour briser sa barrière, mais pour dropper plus de médailles. Bon, après, si vous l'avez déjà fait, de toute façon, vous vous en foutez, mais en tout cas, si vous l'avez pas fait, bah, ce sera cette catégorie, sachant qu'il y a pas mal de cartes gratuites dans cette catégorie. Alors attention, les cartes Battlefield ne peuvent pas être ramenées, c'est pas des cartes farmables, entre guillemets, mais on a Trunks LR, on a Vegeta LR, qui sont des LR farmables, hein. Le C17, C18, qu'est-ce qu'on a d'autre rapidement, bon, ça c'est le TUR, on a le Goku Gohan. Qu'est-ce qu'on a? Le Goku Yardrat, ça non. Le Trunks, oui, le Trunks, ça marche, qui est passé cette TUR. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choix. Là, c'est 18, le Vegeta Trunks, et puis peut-être quelques SSR. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choix, hein, mine de rien, en free-to-play dans cette catégorie. Donc il y a moyen de faire des trucs assez sympathiques. Donc voilà, ça devrait bien se faire. Autre information extrêmement intéressante. Parce que ça concerne le contenu, hein. Vous savez que le contenu, on aime ça hein, sur le jeu. On aimerait qu'il y en ait plus. Et donc voilà, l'ajout de un ou peut-être plusieurs niveaux sur l'histoire sans fin. L'histoire sans fin de Dragon Ball. Donc ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme niveau? Un niveau Arc-Bout peut-être, vu que on sait que le DDF, voilà, Goku et SJ2, Majin Vegeta. Je sais pas, peut-être qu'un truc qui n'a rien à voir, je ne sais pas. Mais nouveau niveau ajouté, et voilà, ça, c'est intéressant parce que DS a récupéré forcément. C'est un mode de jeu assez équilibré, bon, qui est pas très compliqué. En soi, ça va, mais encore une fois, hein, évidemment, si tu prends pas ta team full stack de def, hein, bah, c'est pas si simple que ça. Ça tape quand même relativement fort. Donc, c'est cool. Hein, ce que je disais, hein, ne serait-ce que mettre à jour leur jeu, enfin, leur mode de jeu qui existe déjà, ça serait déjà cool. Mais plus souvent, hein, le Goku Rush qui n'a toujours pas d'autres niveaux, et pourtant, ça serait ultra simple, hein, je veux dire, un Vegeta Rush, un Freezer Rush, ce que tu veux, hein, tu changes quelques petites features au niveau du boss, hein, et voilà, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Donc, bref, on attend, mais en tout cas, voilà, nouveau niveau ajouté, donc ça fait plaisir, c'est vraiment cool. On verra bien qu'est-ce qu'il nous propose. Autre information, et on remercie Kowai. Alors voilà, il a fait une vidéo qui est sortie aujourd'hui, hein, il n'y a pas très très longtemps. Il y a à peine une heure sur les équipements, parce que voilà, il a cherché un peu dans la base et tout ça, il a trouvé pas mal d'informations, donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien ici, je le mettrai pourquoi pas dans la description. Donc voilà, il a fait une vidéo sur tout ce qu'il a pu trouver, sur les équipements, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner, etc., comment ça marche, comment on débloque les accès, donc n'hésitez pas à aller checker sa vidéo si vous êtes intéressé. Autre information, directement tweetée par le compte officiel. Voilà, ils nous mettent des fonds d'écran. En fait, c'est un vote à faire pour choisir le fond d'écran qu'on nous donnera lors des 5 ans. Fond d'écran, vous savez, que bah, qu'on met au niveau de l'accueil. En fait, ce qui est dommage avec les fonds d'écran, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas voir nos persos par-dessus, en fait, parce que... Enfin, je vois pas en quoi c'était obligatoire de... Bah, de... Ouais, de...
de retirer les personnages, parce que même s'ils font des crouilles, ils sont globalement beaux, même si, bon, certains, c'est un peu mitigé, bah, ouais, c'est dommage qu'on puisse pas voir nos persos. Alors, moi, concernant ceux que je vois là, hein, c'est, en fait, c'est pas mal de title screen, hein, finalement, de certaines célébrations, c'est même totalement ça. Alors, je sais pas, alors, j'aime beaucoup celui-là, il est vraiment très sympa, je crois que c'était quand Black Endurance était sorti, je sais plus. Ouais, on a le celui des SSJ4, ça c'était sûrement les 250 millions. Bon, ça Goku Freezer, ok, celui-là non. Je en connais, celui-là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le celui-là des 200, 250 je crois. Celui-là non, encore les SSJ4. Celui-là c'est, je crois que c'est du début. Ah non, non, c'était le title screen des cartes pixelisées là. Les cartes du 1er avril je crois. Bon, celui-là il est pas mal, mais bon, c'est assez récent. Celui-là aussi, franchement, moi, si je devrais choisir, ça soit. Enfin, si je devais choisir, ça soit celui-là, soit celui-là. Voilà, le 2 ou le 9, franchement, ils sont vraiment. Celui-là, j'adore, je sais pas, j'adore. Comment. Enfin, le dessin et tout. Et celui-là, il est quand même très ancien, et bon, bah, c'est Black Goku, quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous. Bah, vous allez voter pour les. Pour lequel, hein, je crois, on peut faire qu'un vote. Mais c'est quand même. C'est sympa maintenant, bon, après. Ils auraient peut-être pu quand même faire un fond d'écran exclusif pour les 5 ans, au lieu de nous demander de voter pour un truc qu'on a déjà vu, mais bon. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y aura d'autres, voilà, peut-être que ce sera pas le seul. Espérons, je ne sais pas. Et enfin, dernière information, et pas des moindres, parce que c'est quand même assez intéressant. Le petit message que vous avez ici. Alors, ça reparle des fonds d'écran notamment, mais... Il est indiqué qu'un Dokkan Now, finalement, aura lieu également pour la version Jap. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le même format ou si ça va être un stream directement comme ils avaient fait pour les 300 millions. Mais, en tout cas, un événement va avoir bientôt lieu concernant les 5 ans. Un live, hein, je sais pas, une VOD comme ils ont fait pour la globale, pour teaser les 5 ans, du contenu des 5 ans. Donc voilà, alors on sera en rendez-vous quand ça arrivera, hein, comme on a fait pour le Dokkan Now. Hein. Mais bah, voilà, on sait pas c'est quand. Pas de date. Alors j'imagine que ce sera après la sortie du DDF, parce que t'imagines faire un live pour teaser du contenu, alors qu'il y a un DDF qui arrive et ça parle même pas de ce DDF. Ça sera en mode genre, ah tiens, un DDF qui sort, on s'en fout, parlons directement des 50. Ça serait un petit peu bizarre quand même, donc je pense que clairement. Voilà, ce sera après le DDF, après qu'il soit sorti, on aura ce live, cette VOD. Concernant les 5 ans, je rappelle qu'on sait déjà que ce sera à thème divin. Et on connaît déjà plus ou moins les deux portails. Enfin, les deux portails. On connaît sur 100% un des deux personnages. Maintenant, l'autre, voilà, c'est quasiment sûr. Hein, donc voilà. Si vous n'avez pas eu ma vidéo sur justement ces rumeurs, bah, bouton i à droite, je ne vais pas vous spoiler encore au stade où on en est. Mais je pense que la plupart d'entre vous savent déjà de quoi je parle. Bon. Voilà les amis pour les petites informations, j'espère que ça vous aura plu. Petit soutien, petit pouce bleu, puis n'hésitez pas à vous abonner. À ce soir en live, très très gros live ce soir, beaucoup de choses à faire. ZTR sur la Globa, il y a le TB sur la Jap, enfin voilà, pas mal de choses à faire. On fera peut-être une ou deux multi sur KFCLR sur la Globale. Voilà tout, bonne fin de journée, des bisous à tous, à très bientôt. Salut.